Bonjour à tous et à toutes, c'est Olivier Plasma et on est parti pour... Attendez, je m'installe une vidéo découverte sur Jet Cave Adventure. Attention. Un jeu qui m'a l'air aussi incroyable que le jeu qui est ici, voilà. Voilà. Ah, ça promet du bon, hein, dans le futur de la chaîne, il va y avoir du Kart Racer, Nickelodeon, attention. Voilà. Ou voilà, c'est juste une découverte comme ça. Voilà, il y a une petite blague au début. Ce qui concerne les extraterrestres, ces données ne sont pas concluantes. Ah, bah c'est rigolo. Oui, parce que je l'ai déjà lancé le jeu vite fait. Pour voir s'il marchait, évidemment. Ah bon, on est sur Switch, donc je pense que ça marche, hein, on n'est pas sur PC. Voilà. Petit troll du PC. Et je me suis arrêté, bah juste ici en fait. Long, long ago, when people and dinosaurs lived side by side, a group of our ancestors found their home on a remote island. For years, the tribe prospered thanks to their chief, a brave hunter named Cave. Yet when our story begins, Cave is being banished from the village by his furious tribesmen. C'est pas mal leur petite intro là. Ah, c'est un petit jeu indépendant donc ça va pas être un truc de ouf. Hein. Mais ah, j'ai vu le petit trailer sur la Switch là, dans les actualités de la Switch et oh ça a l'air marrant. Voilà pourquoi je... Voilà pourquoi la démo m'intéressait. Voilà, tout simplement. Oula, c'est pas fluide par contre. Ah, et c'est pas fluide. Hein. Oula, on est à du vieux 25 FPS là. C'est même pas du 30, je crois. Alors, on peut sauter. Il court quand même assez vite, hein. J'ai vu dans le trailer. Ouais, t'es appuyé sur L, voilà, c'est ça. Pour qu'il se baisse, c'est marrant ça. Les animations, elles sont plutôt rigolotes. Hop. Et ça a l'air hyper vif, hein. J'ai l'impression de contrôler Sonic à l'âge de la préhistoire. Voilà. À l'âge de pierre. Ah purée, c'est extrêmement vif. Hein. C'est rare d'avoir un jeu aussi vif, un jeu de plateforme aussi vif. Hein. Ah, il court même plus vite que Sonic au départ. Ah, il prend plus de vitesse. Bon, c'est peut-être pas très logique, hein, de prendre d'un coup, de courir à 20 km/h, qu'est-ce qui se passe? Hop. Qu'est-ce qui se passe, il y a un chien qui le poursuit, quoi? Oh, puis graphiquement, ça passe, hein, ça passe, c'est pas très moche. Par contre, ça rame. Voilà. Ça se trouve, ils ont fait une version PC. J'espère, parce que bon. Je pense pas que je vais l'acheter sur Switch s'il y a une version PC. Hein. Aïe.
Ok. Ah, c'est du classique, hein. Ça a l'air de fonctionner, le gameplay il est sympa en tout cas. Je suis assez étonné parce que quand j'ai vu juste les images, ça donne pas trop envie. Quand j'ai regardé après la vidéo, le trailer, ça rendait plutôt bien. Après, faut pas s'attendre à un truc de fou, c'est un petit jeu indépendant, il doit être dans les 10€ à peine. Voilà. Hop. Ah, je sais pas à quoi ça sert ça, c'est peut-être la vie. Ah oui, ok, faut appuyer sur A. Hop. Ah, c'est la Prince of Persia là. Ah, c'est vachement fluide, hein. Enfin, le gameplay est fluide. Le gameplay, hein. Bon, ça reste jouable, mais ça fait un peu mal aux yeux quand même. Mince, ce 25 FPS là. Oh. On est même pas à du 30 là. Pourquoi ils ont fait ça? Il y a des robots à la Halo. Oh, les animations. On dirait, vous savez, les montages en 3D sur YouTube faits par des amateurs qui reprennent des modèles de Sonic à l'arrache ou Mario. C'est pareil. Des animations hyper hachées et lentes. Ah, c'est sûr que là, il n'y a pas trop de budget pour ça. Hein. Oh, sinon ça a l'air de passer quand même, hein, la musique, bon, elle est classique, hein, c'est vraiment classique. Mais bon. Ça passe, c'est bien. C'est bien, ça passe. Parce que généralement, c'est vrai que dans les jeux indépendants, on a souvent des musiques horribles. Là, franchement, ça passe. C'est de la soupe, hein, mais ça passe. On dirait Marcus Phoenix. Et on va détruire du locuste. Ah. Ça va changer un peu le gameplay là. Robot, allez dans volcan. J'ai une idée. Je vais voir ma copine. Voilà. Oh purée, par contre. Oh là 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 là, cette distance d'affichage de. Oh là, c'est horrible. Cet effet de flou. C'est la distance d'affichage, mais. Avec l'effet de flou, quoi. Moi, dans les options, dans les jeux PC, je mets plus ça. Parce que c'est moche. C'est pour, entre guillemets, ne pas trop montrer les arrière-plans qui sont un peu grotesques et du coup de mieux rendre les arrière-plans comme ça. Mais moi, je préfère. Surtout dans Dark Souls, là, je préfère ne pas mettre de distance d'affichage. Hein. Parce que c'est flou au loin et c'est pas très beau en fait. Ah. Ah ok. Mais c'est pas mal. Hop. Ah, faut foncer. Ah, et on peut. Ah ok, on peut.
On peut faire les deux dans les airs. Pas mal. On peut enchaîner. Ah, par contre, on peut pas aller en dessous. Ah, je suis obligé de... C'était quel bouton, déjà? C'était L, je crois, c'est ça. Hop. Ah, on peut pas faire du wall jump. Attendez, je vais aller en dessous. Il y avait un truc au-dessus, là. Ah, on peut monter. Alors, je fiche pas trop comment ça marche. C'est qu'il faut appuyer sur B. Ouais, bon, bof. Ouais. De toute façon, il y avait qu'un truc à récupérer. Et puis, on est sur une démo. Alors, on est dans une démo. Donc, bon. Trouver tous les secrets dans une démo, ça ne sert pas à grand chose. Ah, purifiche. Un pyrodactyle. Ok, on peut manger. Ok, d'accord. On garde de la viande en réserve et hop. On peut se requinquer comme ça. Après, à voir si ça, ça se renouvelle pas mal, hein, mais. Là rapidement on a quand même quelque chose qui nous donne une nouvelle capacité. C'est plutôt sympa. Ah, d'accord. Je sais pas à quoi ça sert les espèces de... Je sais même plus comment ça s'appelle ces trucs là. Les espèces de glands. Hop. Ah, je sais pas si vous connaissez. Attendez, comment ça s'appelle déjà ce jeu? Il y avait un jeu sur GameCube. Ça me fait penser à ça. Attendez, comment il s'appelle? Tac, voilà, c'est ça. Purifiche. Tac, et le pouvoir de Juju, un truc du genre. Ça se passe aussi... dans un univers préhistorique. Et du coup, ça me fait penser à ça un petit peu, voilà. Un petit peu. Ah ok, ces trucs-là, ça permet de... de reprendre de la jauge d'énergie violette, là. Pour faire nos pouvoirs. Une espèce de gélule violette, là. Pas logique. Affiche. C'est un peu brouillon quand même, des fois. Ah purée. Ah, mammouth. J'aurais pu... Ah là, d'accord. Ah là là. Fichtre. Ah bah d'accord, il est mort. Allez, on meurt direct. Là, c'est 3 coups et hop. Bon, ça, je sais pas comment esquiver à part en faisant ça. Hop. Faut pas traîner, hein. Ah si, les bruitages et tout, ils sont plutôt sympas. Hein. Ça me refait penser à un jeu 128 bits de l'époque, hein. Un petit peu. En 2D. Hop.
On peut aller là. C'est plutôt marrant. Et puis moi les démos, hein, y a une démo qui a bien fonctionné, hein, c'était Train. Hein. Finalement par la suite j'ai acheté le jeu. Hein, quand je vous ai fait une vidéo découverte il y a quelques années sur Train. C'était Train 2 il me semble, oui c'est ça. Sur Wii U. Ah, il se passe quelque chose. Même si Train 2, finalement ça a été un peu une déception. C'est répétitif quoi. Ah, un boss. Ah d'accord, on le touche direct quoi. Ah faut l'avoir quand il ne se protège pas. Hop. Ah je me suis fait avoir. Oh là 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 là, purée, il vise bien. Il a prévu que j'allais sauter. Oula, j'arrive pas à parler. Il a anticipé mon geste. Oh purée, par contre, c'est le bordel. Allez, il va me toucher là. Attention. Ah purée. Ah là là, il baisse pas sa garde. Le faire avant qu'il balance son truc là. Ouais purée là, il est chaud là. Ah là. Ok, fallait le faire au bout de la troisième fois. Ah quoi? Ah on continue c'est ça. Purée. Ah d'accord. C'est pas simple hein. Ça va un peu vite quoi. Ah mais non, il n'y a même pas besoin de lui foncer dessus en fait. Ouais, ok. Ah, c'est plus simple en fait. Ah, je m'invente des trucs moi. Concentration. Oula, ouais, il me fonce dessus. Hop. Ah, c'est plutôt pas mal. Ok, il y a un niveau 3. Elle est assez longue la démo. Ça va peut-être dire que le jeu n'est pas si court que ça. Le jeu complet. Ah. Ah, ok. On a la capacité du boss. Après, peut-être qu'après chaque boss vaincu, on a un truc en plus, je sais pas. Ou alors, c'est juste au début, hein. Vous me direz, balancer des cailloux, c'est pas une capacité vraiment classe. Le pyrodactyle et les fourbes. Ah. Je sais pas trop ce qu'il faut faire. Ah bah si, il faut aller en dessous. Ah, on s'y habitue, 25 FPS. Hein. On s'y habitue, c'est compliqué mais on s'y habitue. Un peu ça me fait penser à l'Odyssée d'Abe un peu là. Cet environnement là. Hop. Dans le remake. Parce que bon dans la version PS1, bon. Ah mais c'est plutôt joli quand même là, je trouve. Ah ça va. Plus beau que le premier niveau.
C'est un style très... on dirait du cel shading. Un petit peu. Bon, même si maintenant ça se fait plus trop le cel shading. Hop. Oh purée, le fichtre. Ah, le jackpack. Ah purée. Empêche un homme de Cro-Magnon avec un jackpack, c'est assez peu commun. Ouh là, lui il va balancer ses épines là. Hop. Ah purée. Hop, un petit secret là. Ah, c'est peut-être la monnaie du jeu, hein, ça, ces trucs-là. Là. Parce que j'avais vu dans le trailer qu'on pouvait avoir après un peu de crafting. Plutôt pas mal. Ah, ok, ça va pas jusqu'au bout. Hein. Ils sont pas très difficiles quand même. Ah, des crevettes. Ils nous lâchent différents aliments pour se requinquer. Mais bon, j'ai tellement de skills que j'ai pas trop besoin de ça, moi. C'est un jeu qui est hyper simple à apprivoiser. Hein. Le gameplay, on l'a dans... On l'a... On le maîtrise en quelques secondes. Hop. C'est pas comme un Donkey Kong Country ou... Ou même un Mario. L'inertie, là, on l'a assez rapidement, quand même. C'est extrêmement simple à prendre en main. C'est quand même un bon point. Ah purée. Ah, je pense qu'il faut pas se tomber trop haut. Est-ce qu'il y a des dégâts de chute, ça? Je sais pas. En tout cas, j'ai dû être limite là. Ah purée. Ok. Secret, bon, il n'était pas bien caché. Il y a peut-être un truc en dessous là, mais bon, je préfère pas. Ah voilà, c'est ça pour balancer. Du coup, c'est ces trucs là qu'on balance. Ah non. Ah, il m'en reste 6, ok, c'est marqué en dessous. On balance du silex. Ça doit faire mal. Voilà. Ok. Hop. Oula, attention. Attention aux stalactites. Il y en a un peu partout. Je crois qu'il y avait un secret à gauche, mais non. Que dalle. Ah, purée de fiche. Hop. Ah, je sais pas ce que c'est, ce machin. Ah, ok, ça explose. Ah. Ok, bah ça, ça doit être le checkpoint, hein. J'ai pas l'impression qu'on ait un système de vie. Bon, en même temps, vous me direz, ça sert plus à grand chose les vies maintenant avec les sauvegardes. Oh, purée. Montez tout là-haut. Hop. On chope encore des barbioles. Ah, le niveau était pas fou non plus là. Ça a l'air quand même d'avoir du mal à se renouveler. Après, on est qu'au troisième niveau. Ah. Ah bah le trailer, bah, la démo est finie du coup.
Ah, ça a l'air quand même sympa. Les environnements ont l'air d'être assez inspirés, assez originaux. Peut-être que je me laisserai tenter. À voir sur Steam à combien il est. À voir. Enfin, si ça existe sur Steam. Mais je pense quand même à un jeu comme ça. À l'aide de votre réacteur dorsal. Ah bah, le jackpack quoi. Traversez les 36 niveaux fantaisistes et obtenez votre vengeance sur l'envahisseur extraterrestre dans la version complète du jeu. Évidemment, on peut pas faire ça dans la démo. Ah bah d'où le titre Jet Cave avec une soucoupe volante. Ah mais il y a quand même un quatrième niveau. Ah bah non, forcément. Allez, si t'appuies sur X... Ah bah c'est ça, le crafting là. Enfin, la petite boutique. Ça sert à quoi d'avoir ça? Augmente votre maximum de santé. Ah oui, c'est le genre de boutique qu'on a dans Donkey Kong Country, quoi. Pas de truc de... C'est pas un truc de fou. Hein. Ah, on peut améliorer la massue. Augmente le nombre de pierres lancées simultanément. Ah, c'est quand même pas mal. Ouais, bah c'est du... un peu de crafting, vite fait. Je sais pas à quoi ça sert, par contre, hein, la statue. Bon, on a fait le tour. Hein. Bon, voilà, que dire sur cette démo, bah... Ça a l'air plutôt sympatoche, hein. Après, c'est un petit jeu. Hein. Faut pas non plus dire que ça va être d'un aussi haut level que qu'un certain Donkey Kong Country Tropical Freeze, mais bon. À voir, peut-être que dans le futur il y aura un vidéo test sur ce jeu, ça voudrait dire que... Bah, que j'ai craqué. Bah, sur ce, je vous dis à leur voyure pour de nouvelles aventures et pour de nouvelles vidéos découvertes.